Voilà, un trou de fou. J'avais envie de changer pour une fois. Donc cette fois, je regarderai ici. Donc on a les lunettes 3D trop de la mort qui tue. Donc on se retrouve sur Monster Hunter 3 Ultimate, comme je suis avec l'autre abruti là. Il a essayé de rester un partiate, tu vois. Il a essayé de rester sérieux. Il a essayé de rester sérieux. Non mais après je serai plus dans le cas. Merde. Il a essayé de rester sérieux, c'est mort, c'est mort, c'est foutu. Oui. On va enlever ça. Ouais, en plus pour jouer c'est horrible, c'est tout simplement horrible. En bref. C'est tout plus clair. Carrément. Donc aujourd'hui, donc excusez-nous pour le dernier face commentary, on était un peu coupé. Je suis en train de regarder les pics, on sait jamais. Non, ça m'a l'air bon. Non, ça m'a l'air je vais regarder si c'est bien cadré. J'ai la phobie du mal cadrage. Ouais, c'est bon. T'auras peut-être le haut, les cheveux coupés, mais. Attends. Magie. Voilà, c'est bon. Oh là, ça va être largement bon. Donc là, on est bon. Donc du coup. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais je ne cherche pas où il faut, dis donc. On avait fait quoi la dernière fois? On avait fait la Raciane dorée, si je me souviens bien. Raciane rose. Raciane rose. Ah oui, le PD là. Non, bah c'est pas ça. Où est-elle? Salope. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais what the fuck? Oh, on n'a rien préparé, on y allait totalement là. Rabattre une Raciane, non, c'est pas ça? Non, déçu du goût. Ah bah non. 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 Ah, je me souviens, c'est dans la page des PD, voilà. Ouais. C'est dans la page des PD, donc ça, on s'en bat les steaks, on s'en bat les. Ouh, alors ça. Alors là, une autre fois. Abandon total. Courage, fuyons. Ah oui, exactement. Alors, on en est du coup au Xenogre. Intéressant. Vous savez, celui qui est dans l'intro qui est badass, tu vois. Ah ouais, trop badass. Voilà, fait le Xenogre en fait, non? Mais en multi. Ouais, possible, mais rien à foutre. Ouais, rien à battre. Tu sais, celui qui est badass en mode Super Saiyan aussi, là. Ah ouais, c'est le Super Saiyan. Bah écoute, on est pas mal là. Donc tu as l'arc Kelbi là, la fronde cheatée. Oui, j'ai la fronde cheatée, voilà. Je vous promets que je ferai un épisode avec. Donc du coup, non, c'est là. Donc du coup, je vais le faire. Et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer mon skill à l'arc. Donc du coup, je vais rien vous montrer. Voilà, la vidéo c'est fini. Voilà, la vidéo est finie. Merci d'avoir regardé. Donc j'avais un petit truc à dire, moi quand même. Je suis en train de regarder le God Michel qui est en plein milieu là. C'est très sexy, ça me donne envie. Bref, c'est dégueulasse. Ouais, complètement. C'est complètement dégueulasse. Donc j'avais un petit truc à dire. C'est CC. Pourquoi je dis CC? Si je mettais. Voilà. CC de m'ajouter sur Skype, ça ne sert à rien. Ah, CC. Ah oui, CC du verbe c'est. Du CD. Verbe cesser, céder, oui, exactement. Non, cesser, pardon, du verbe cesser. J'ai arrêté le français en... Merde. J'ai arrêté le français en quatrième. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. En seconde. Enfin, on a fait... Enfin... Bon, on s'en fout, bref. Enfin, bref. C'est cool story, bro. Cool ta life. Cool ta life. Je veux la même. Donc, du coup, voilà, on se retrouve pour un petit Xenogre. Non, tu m'as pas vu. Vous avez eu badass. Oh, badass, yeah. Oh yeah, badass. Mmh. Badass. Non, donc voilà un petit Xenogre qu'on avait déjà fait, souvenez-vous, en multijoueur. J'avais une chance monstre, j'avais eu monstre, j'avais eu un jaspe. J'arrive jamais à le prononcer, ce truc de merde. Et tout le monde m'avait dit, ouais, mais t'as eu une chance de monstre. Alors que moi j'étais là, ouais, un jaspe, c'est cool. Cool. Quel est ce truc? Cool, ça brille, c'est beau. Ouh, je vais le revendre. Je vais le vendre au marchand Lupin, c'est génial. Ça se revend cher, ça brille, c'est joli. Mais alors, peut-être que là, on aura un cadre tout joli, tout beau, mais pas sûr. Si Azerox veut bien... Non, Azerox est très gentil. Mais c'est juste qu'il est très occupé, parce qu'en ce moment, il veut rentrer dans la team Rage, enfin, dans la team Graphis Rage, parce qu'il y a un contest et tout, enfin, voilà. Donc, du coup, il est un petit peu occupé sur ça, mais bon, je ne lui en veux pas, pas le moindre du monde. D'ailleurs, pour ceux qui auraient... Ah oui, excellent. Pour ceux qui auraient envie de savoir qui est Azerox, c'est notre graphiste, entre guillemets, personnel. S'il est public, il peut vous faire des trucs. Quoi. Oui, il vous fait des trucs, mais voilà, il nous a fait plein de trucs, il nous a fait des... Bah, tout ce que vous voyez qui est fait, c'est lui. Ouais, voilà. Sauf l'intro. Tout ce qu'il y a sur notre chaîne, oui, ça c'est Maxime Studio. Mais c'est un de ses potes, donc au final... C'est un de ses potes, donc au final, voilà. Et donc il nous a fait miniature, bref, plein de trucs, complètement badass, et je le remercie pour ça, parce qu'il fournit un travail énorme. Et pour ceux qui vous seraient intéressés par son travail, il est dans la description, donc il s'appelle Azeroth DZN, design. Aïe. Pour ceux qui seraient intéressés, allez voir son travail et mettez un maximum de likes. Aïe. Tu prends cher. Oui. Et là, je vais mourir. Parce que je vais être étourdi. Voilà. Donc, adieu. Adieu. Wow. Pour une fois qu'il sert à quelque chose. Ah ouais, mais c'est trop. Non, vite. Ouf. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ouf. C'est du bol. Ah ouais, et là, il est en mode Super Saiyan.
Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça farte? Tu veux une frite? Drôle. Deux? Ou deux? Vas-y, il se roule par terre. Comme ça. Tu loupes tout là en fait. Oui, non, mais je m'en fous. Je te le dis. J'ai plus là en lui. C'est génial. Alors, oui, c'est Tarkenby. Aïe, j'avais oublié qu'il faisait ça à chaque fois. Il a poison, paralysie, passe, sommeil. Enfin, bref, il a tout. Épuise même. D'ailleurs, tu devrais lui mettre un épuise. Aïe. Je joue complètement comme une merde, mais j'en ai rien à foutre. Ah. Oh, dommage. Oh, déçu du coup. Je joue comme une grosse merde. Je joue comme une grosse. Yeah, ce monstre est badass, franchement. Ouais, franchement, c'est un de mes monstres préférés niveau classe, hein, pas niveau stuff parce que c'est de la merde. Mais même si tu les as, c'est stuff. Hein. Mais ouais, je l'ai. Mais c'est parce que ils sont cool, ça brille et tout, c'est joli. Mais sinon, ça sert à rien. Enfin, maintenant, à ce stade, ça sert à rien. Sauf le Stygien. Le Stygien est stylé. Le Stygien est stylé, ouais. Parce que c'est un Zinogre en rouge. Mais je vous l'avais montré, j'ai son armure. Fail. Tu es courant ou tu as. En fait, non, il a pas loupé. Il a posé sa bite sur mon front. Il t'a étalé ses testicules sur tout ça. Sa proéminence phallique s'est étalée joyeusement sur mon front et là, je vais mourir. Ah non, même pas. Oh, c'est nul. C'est drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est de la merde. Au feu, brûlons-le. Au bûcher. Dommage. Bon, alors, c'est à moi du coup. Eh bah oui, vas-y, c'est à moi. Du coup, j'ai pas besoin de switcher le micro et tout. Et tout. Et tout. Et là, et tout, et là, oui, alors, League of Legends. Ouais, j'ai plus de vidéos et tout. plus de vidéos, oui, c'est que je travaille sur un projet de League of Legends. En copartenariat avec Beat France. Voilà, non. Voilà. Je travaille sur un gros projet qui me prend. Enfin, je vais pas dire qu'il me prend du temps parce qu'à chaque fois je fais petit bout par petit bout, donc au final j'y reste pas longtemps. Mais au final, tout regrouper ça prend beaucoup de temps. Ça vous aidera grandement. Donc, je l'avais déjà fait, mais bon, je vous en dis pas plus. Bon bah c'est bon, on sait ce que tu vas faire. Non, pas du tout, vous ne savez pas. Tu mens. Non, tu mens. Alors attendez. Voilà. C'est juste pour le style, pour la non, forme. Non, c'était pour vous montrer. Hein. Sinon concrètement, ça sert à rien. Bah sur Stark, oui, parce que ça fait qu'une explosion. Enfin moi je trouve que ça sert à rien. Alors qu'il y en a d'autres, ils font de la pluie. Enfin tu sais, ça fait une sorte de pluie, de petites boules comme ça. Et ça par contre, ça fait mal quand tu les mets toutes. Ouais, c'est vrai. Quand tu les mets en sommeil ou en truc comme ça, aïe. Donc oui, donc voilà, je travaille sur un projet. Et en plus, les games que je fais ne sont pas très intéressantes vu que c'est de la ranked et puis que... Ah oui, en ce moment, tu te fais rouler dessus. Non, même pas. Si. Non. Bon, j'ai failli trois fois mes matchs de classement, ça commence à me péter les couilles, à tomber sur les noobs. Bon, bref, coup de gueule, voilà, je vais péter les oreilles. Non, normalement, non. Normalement, non. Parce qu'à chaque fois je vous le dis, c'est jamais moi qui file. You mad. Bon, je suis peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais bon, j'en ai un peu marre de perdre des games. Bon, il y a des games, autant on les perd honorablement, mais bon, sans vous en branler. Alors, donc voilà, ça va revenir, League of Legends, tout doucement, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer LOL Replay Bug. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous le fait, vous, LOL Replay. Ça vous affiche vos replays. Oh, dommage. Mais ça fait, au lieu de mettre une case à gauche, ça met un carré noir. Normalement, il y a une case où ça affiche une petite image. Ben, moi, il y a un carré noir. Et je ne peux pas lire mes replays. Alors, va savoir pourquoi. Oh, je vais mourir. Non. Je me prenais ce coup, j'étais mort, je pense. Donc, je ne peux pas lire mes replays. Je sais pas pourquoi, depuis que... Je sais pas, depuis 3-4 games, il me le fait. Bon, bref. Et du coup j'ai pas envie de filmer pendant que je joue parce que ça me baisse mes FPS et j'ai pas envie de perdre mes ranked et tout, donc c'est chiant. Et puis j'ai pas envie de retourner en normal parce que c'est vraiment chiant les normales, enfin, je dois vous le dire, une fois que vous êtes habitué au ranked, c'est chaud de revenir au normal. Autant l'inverse ça se fait aussi, quand vous êtes habitué au normal c'est chaud d'aller en ranked, mais je vous dis l'inverse c'est pareil. Dis-moi Kayamba, tu serais pas un petit peu con? Dis-moi Kayamba, tu te foutrais pas légèrement de ma gueule? Non? Non? Ok, très bien. C'est son masque, ça porte lourd et tout. Il a une testicule sur la gueule. Ça le désoriente. Je peux le comprendre. Donc voilà. Alors, deuxième chose, next, on va pas raconter. Attends, je peux le comprendre, il a une testicule sur la tête. Non, je ne peux pas le comprendre. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Fail. Fail. Très bien. Je fais toutes mes paralysies, très bien. Oh, c'est pas grave, t'en as encore 10. Alors, normalement, je devrais vous conseiller sur comment jouer à l'arc. Donc, pas comme moi déjà. Déjà, ne jouez pas à l'arc comme moi. En solo, déjà, ne jouez pas à l'arc en solo. Oui. Conseil d'amis. Bah, si, vous pouvez jouer après, mais. Ouais, mais pas contre les gros mobs. En fait, normalement, quand vous jouez avec un arc normal, pas avec celui-là, vous faites. Tac, tac, tac. Ouais, non, en fait, c'est un petit peu long, je suis en train de m'apercevoir. Ah non, c'est. Tac, tac,
Tac. Ouais, non, en fait, ça sert à rien. Je voulais essayer, expérimenter un truc, mais ça sert à rien. Donc, non, en fait, ne jouez pas comme ça. Tu peux tirer en reculant et tout. Donc, vous bourrinez en fait. Vous bourrinez en espérant esquiver les attaques qu'il fait, puis voilà, vous avez gagné. GG. Ouais, mais c'est quand même mieux conseillé de jouer à plusieurs l'arc. Ah, you mad! Et okay. Je l'ai même pas paralysé, je suis un peu déçu. Ah ouais. Bah. Oh pardon, tant pis. Donc là, vous n'avez plus d'oreilles. Ouais. Je m'en fous, je me soigne pas, moi je suis badass. Donc que disais-je, deuxième chose, il y a beaucoup de gens dans les commentaires de toutes les vidéos de Monster Hunter 3 d'ailleurs qui nous disent comment on trouve ça, comment tu fais ça, vous savez, comme tout jeu, Monster Hunter 3 possède un wiki. c'est vrai, et sur un wiki il y a tout d'indiqué. C'est génial, c'est révolutionnaire. C'est le Wikipédia du jeu, en fait. Oui, et sur le wiki, vous trouverez toutes les informations que vous voudrez. Donc arrêtez de nous poser des questions. Ouais, où on trouve ça, où on trouve ça, ouais, où on trouve ça. Sinon, je me suis fait mal, en plus. Où on trouve ça, où on trouve ci, où on trouve ça. Mais bon, non, je vous dis pas vos gueules. Mais au bout d'un moment, ça devient vraiment chiant. Des fois, on se souvient plus d'où ça se trouve. Ou je sais même pas où ça se trouve. Vous êtes grand. Enfin, des fois, je me demande si vous n'êtes pas un peu irresponsable. Oh, je dis clash. Non, je dis clash. Non, mais vous savez, vous avez juste à faire une petite recherche Google au lieu de taper un vulgaire commentaire sur ma vidéo. Non, mais je sais pas, en plus, il y a plein de forums qui sont faits pour ça. Genre, si vous savez pas, par exemple, je sais pas, il y a les papillons. Non, comment ça s'appelle? Papillons, je crois, un truc comme ça. Où il y a des papillons qui sont durs à trouver. Et moi, je savais même pas comment on les trouvait. J'ai fait comment trouver papillon machin. Et là, j'ai direct un forum JVC qui s'affiche tout le temps. De toute façon, vous aurez toujours un forum JVC. Vous pourrez toujours trouver vos infos, vos informations là-dessus. Donc, un conseil, vous faites comment trouver machin, ou comment faire machin, ou comment avoir machin. Et c'est ah oui, ça c'est stylé ça. Par contre, c'est chiant de se le prendre. Déguster. Déguste-moi la bite. Sauf que je vais mourir là en fait, non? Concrètement. Mais non. Mais non, je suis un PGM. Donc voilà. Donc arrêtez de nous saouler avec ça. Parce que. On veut bien répondre, mais bon, à un moment, soyez grand, allez chercher tout seul, surtout que ça prend pas 10 000 ans. Surtout, je pense que ça vous prend moins de temps d'aller chercher vous-même que de nous envoyer un message et le temps qu'on vous réponde. Ouais, j'avoue. Je pense que c'est. Donc voilà, soyez logique. Sauf si vous trouvez vraiment pas, mais ça m'étonnerait quand même. Bah, franchement, si vous trouvez pas, c'est que je saurais pas. Donc voilà. Merde. Fuck. Bon, après, il y a l'expérience qui part et tout. Je dois être tout rouge de la joue gauche. Non. Non, ça va. Bon, ça vaut pas les bifs que je me prends tous les soirs. C'est dégueulasse. Salut. Salut. Au revoir. Hein. J'avais envie de parler de bites ce soir. Salut. Je me marre. Salut. Non, mais j'avais envie de parler de bites ce soir, donc. Je sais pas, j'avais envie comme ça. Bonjour, tiens, qu'est-ce que tu fais? Tu joues? T'es qui en fait? Je te connais pas. Non, mais on ne se connaît pas. Comment allez-vous, monsieur? Je peux venir? Non. Ah, quel jeu magnifique. Qu'est-ce God au milieu aussi? Je sais pas, c'est un truc que je m'enfonce tous les soirs dans le cul. Je ne vous connais pas. Salut. Salut, hein. Non, c'est bon, arrête, là. Salut. Mais regardez, je joue comme une merde. Bon, je joue comme une merde, ne prenez pas exemple sur moi. Hein. Allez voir d'autres vidéos. Il disait avant la vidéo, ouais, je vais montrer mon skill à l'arc et tout. Mais, non, mais c'était ironique, t'avais pas compris. Non, c'était ironique. Ah, parce que là, il est empoisonné, tu vois, ça ne sert à mon accord, non, plus. Dommage, déçu. Tant pis. Tant pis. Bon, ça risque d'être un petit peu plus long vu que c'est à l'arc. Quoique. Merde. Je voulais rouler. Ouais, ça commence à faire un quart d'heure, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, ça fera une bonne vidéo. Oui, est-ce qu'il y a des events lol? La flemme. C'est pas que j'ai pas envie de les faire, mais c'est très chiant à organiser et voilà. Alors, oui, il y en a aussi qui nous disent: oh, c'est dommage, il y a moins de Monster Hunter 3 Ultimate en ce moment. Oui, j'avoue, oui, parce que je joue à d'autres jeux en ce moment. J'ai envie de jouer à d'autres jeux, notamment je tryhard sur StarCraft. Sur StarCraft 2. Et d'ailleurs, transition de malade, j'avais envie de vous faire un petit kiff. C'est que on a tenté on a tenté les games 1v1 de filmer des games 1v1 sur StarCraft. Ça n'a pas vraiment marché, vous n'avez pas été spécialement emballé. Donc du coup, j'avais envie de me rabattre sur les arcades. Parce qu'il y a des arcades qui sont franchement il y a vraiment des trucs bien. Il y a des arcades qui sont vraiment géniales et que j'aimerais vous faire découvrir. Au pire, même si vous aimez pas StarCraft 2, tout ce qui est le basique, quoi, le jeu de construire des bâtiments, des unités, des défenses. Bah, même si vous aimez pas ça, je vous assure, l'arcade, vous pouvez kiffer. Hein. C'est différent. C'est vraiment différent, il n'y a plus rien à voir. Hein. Donc, du coup, je voulais vous demander votre avis. Est-ce que on tenterait pas une petite série, mais léger, tu vois, une petite série passagère, comme ça, pour le fun? De temps en temps. De temps en temps, une vidéo comme ça, sur StarCraft 2, sur un mode. Sur une arcade qui nous plaît. Exactement. Donc, voilà, j'ai envie de tenter.
parce qu'en ce moment je joue pas mal en arcade, j'ai découvert pas mal de nouvelles choses que je n'imaginais même pas l'existence. Mais voilà, ça va juste histoire de à peine 10 vidéos. Ça dépend de ce qu'on trouve, de ce qu'il y a. Ouais, parce que ouais, voilà, il y a pas forcément. Ah, oh, enfin. Enfin, il a enlevé le poids de la couille qu'il avait sur la tête. Non mais ouais. Non, donc voilà, dites-moi votre avis, sinon. Ah oui, un autre truc que je dois vous dire absolument, c'est que direz-vous de reprendre les défis à la fin? Non non, pas à la fin, maintenant, tout de suite. Alors, ne vous affolez pas. Okay. Non, non, pas maintenant, tout de suite, hein. je m'exprime mal, mais dans pas longtemps, on va dire, plutôt. Pourquoi? Pourquoi cette soudaine envie? Mais ils vont dire oui, on le sait. Dites oui. Pourquoi non, regardez leur nom. Ah, je suis con, je sais plus jouer. Donc, j'ai envie de reprendre les défis avec une toute nouvelle intro. Il y en a qui m'ont donné des idées et tout, etc., etc. Et donc, du coup, j'avais envie de reprendre les défis. Mais, cette fois, c'est moi qui impose le défi. C'est-à-dire que je ferai un vote sur Pixul. Comme ça, on aura des défis faisables, tu vois. Pas genre 99% des défis qui sont infaisables et 1% qui sont faisables. Tu vois. Non, parce que c'est pas que je veux dire que vos défis étaient merdiques, ils étaient possibles, c'est sûr. Mais faut pas quand même déconner, hein. Oui, voilà. Donc, je proposerai mon défi. Pourquoi j'ai pas épuisé justement avant. Donc, je proposerai 3 ou 4 défis. Donc je mettrai armure plus le style d'arme. Et si je mets rien après, c'est qu'il n'y a pas chacha. Et je mets plus popo, voilà. Des trucs tout simples. Je mettrai pas des phrases à rallonge. Je mettrai juste machin plus machin plus machin. Et s'il n'y a pas chacha, ça veut dire que je vais sans eux. Donc ce sera souvent. Donc ce sera armure ou pas. Hein, parce qu'on fera un tous à poil. Il y aura peut-être, tu vois, genre défi pour défi le titre, ce sera. Défi, je mettrai à poil. Le style d'arme, donc l'arme, ça aurait été stylé, ça. L'âme double, etc., etc. Après, et avec ou sans popo, ou alors je mettrais un demi popo, ça veut dire que 5 popo, 5 mégas, 5, je mettrais 1/2 popo, ça veut dire que j'aurais que 5 méga potions et que 5 potions normales. Donc voilà, je mettrais des trucs simples et vous pourrez voter. Enfin, simple. Je vous mettrai le lien à chaque fois dans la description. Puis on verra si ça nous fait chier, bah on vous. On vous redemandera, voilà, exactement. Parce que l'organisation et nous, hein, c'est. On a le temps, on fait une vidéo ce soir. On fait une vidéo demain. Ouais. Ah, c'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est qu'on se prend pas on le. On fait comme on veut. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui douteraient encore de notre. On va dire soif d'argent, ce qui n'est pas le cas du tout. En ce moment, Machinima propose plein de promotions, de primes. Aïe. Parce qu'il y a des events, il y a la Gamescom et tout ça, il y a la Paris Games Week. Enfin, tout, à chaque fois qu'il y a un event. Non, non, c'est passé ça. Non. Mais à chaque fois qu'il y a un event de jeux vidéo, ils nous proposent. Vous pouvez gagner $1 en plus sur chaque 1000 vues. Enfin voilà. Vous pouvez être promu. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je m'en bats les steaks. Vous pouvez, enfin voilà, on peut gagner plus d'argent, mais il y a des conditions, évidemment, parce que c'est Machinima, ils sont bien gentils, mais évidemment. Il y a des conditions, c'est qu'il faut mettre dans le titre des raccourcis, genre PPM 2013 ou un truc comme ça. C'est des raccourcis tout con, et il faut mettre ça. Mais ça, je trouve total useless, déjà, ça prouverait qu'on fait ça que pour l'argent, ce qui n'est pas le cas. Y en a plein qu'on a refusé, hein, depuis le début, j'ai dû en refuser. Bah, tous ceux qui m'ont envoyé, en fait, parce qu'ils nous disent ouais, dans le titre faut mettre ça, dans les descriptions faut mettre ça et tout, et moi j'ai pas envie d'être plébiscité par mon network. Et puis franchement, pour $1, non, mais ça pourrait rapporter vachement plus, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, bon, pour les gros youtubeurs ça peut être intéressant, mais nous ça nous rapporterait pas. Non, au contraire, pour les petits youtubeurs ça pourrait être intéressant, les gros youtubeurs, bah non, justement, plus il y a vues, plus ils seront payés en plus. Non, en fait, ce serait intéressant pour tout le monde. Vous me direz, mais pourquoi en fait, oui. Je refuse de l'argent, en gros, c'est exactement ça, mais j'en ai rien à foutre, parce que pour moi ça sert totalement à rien. Moi j'ai pas envie qu'on me plébiscite nos vidéos, pardon, pour $1 à chaque 1000 vues en plus, voilà. Donc moi ça me sert à rien, je trouve pas ça utile. Chaque 1000 vues par jour, hein, c'est exactement ça. Sachant qu'on fait 2800 de 3000 vues par jour, donc ça veut dire qu'on rajouterait $1 à chaque fois, ce qui est considérable sur le mois. Donc voilà, vous imaginez, mais on s'en bat totalement.
Ah ouais, ça, je me rendais pas compte, en fait, ça fait quand même pas mal. Hein. Non, mais t'excites pas. Non, mais je dis pas ouais, mais en fait, je me rendais pas compte, je croyais que ça allait faire ouais. Ah non, il plébiscite totalement. En fait, c'est vraiment de l'incitation à la. Ouais. Oui, parce que de leur côté, eux, bon, ils gagneront ils pas. Ils sont bien gentils, Machinima, bon, c'est un gros. Ah non, ils sont gentils, parce que ce serait con de dire du mal, parce que c'est du bon sponsoring. Et là, ils nous regardent. Non, je dis pas ils sont cool, mais nous n'accepterons pas cette proposition. Et point rouge. Tu as un truc sur la tête. Oh, dommage. Essuie-le, peut-être ça partira. Non, ils nous ont pas dit de dire du bien de eux ni même du mal. Mais voilà, je dis ce que je pense. Je suis pas. Vas-y, fonce dessus. Ouais. Non, je voulais me jeter comme une grosse merde. Mais donc, ça a marché. Voilà, je suis pas là à dire du bien ou du mal. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on me plébiscite nos vidéos. Et puis voilà, quoi. C'est juste ça. Donc pour ceux qui pensent qu'on fait ça que pour la thune. D'ailleurs, je vais même donner une fourchette de ce qu'on a touché le mois dernier, enfin ce mois-ci. C'est entre 60 et 100 euros. Voilà. Donc du coup, on n'en a pas besoin de plus. Hein. On est déjà très bien satisfait par vous. Donc on n'a pas besoin que Machinima en rajoute. Je suis en train de m'apercevoir que j'en chie à mort. Là. Ouais. Donc je vais me concentrer et toi parle. D'accord. Ça va vous ? Ça va ? Bien ? Bien les vacances, bien. Tranquille, pareil pour la rentrée. Donc là, tout le monde est dégoûté. Voilà. Bon, j'en ai marre là, sérieux, j'en ai marre ce mob. Est-ce que tu pourrais crever ? Excuse-moi, t'es arrivé à aller, excuse-moi, tu peux crever, c'est à excuse-moi, tu peux mourir. Non, parce que ça m'arrange pour la vidéo en fait. Parce qu'on est en train de filmer et tout, donc. Ouais. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Voilà, oh, tu vas crever. Là, je vais mourir. Attends, mais attends. Oh ouais, Ninja, man. You mad, tu l'as dans le cul. Voilà. Après, on va dire, ouais, vidéo choquante et tout, public averti, ça parle de bite, ça monte des doigts et tout. Et alors voilà, ils boitent. Vous apprendre la vie, les mecs. Alors, de toute façon, vous le saurez un jour ou l'autre, hein, vous saurez ce que c'est un jour ou l'autre. Donc, autant vous l'apprendre le plus tôt possible, comme ça, vous ne serez pas surpris. D'ailleurs, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une bite, quand même, sinon vous êtes mal barré. Si vous êtes une femme, je peux comprendre. Non, même. Bah attends, s'il a 11 ans... T'as toujours des potes qui en parlent, quoi, je sais pas. T'as toujours quelqu'un en maternelle qui a fait l'hélicobite, je suis désolé. T'avais toujours le rigolo de service qui montrait sa bite en maternelle. On l'a tous eu. Ouais, d'accord. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, on a oublié d'imprimer la grosse bite. Ah oui, beaucoup nous l'ont demandé. Mais non, ça ne se fera pas, parce qu'après, on va avoir des problèmes. Déjà qu'il y a assez de merde dans nos vidéos. Ça part déjà assez en couille comme ça, donc voilà, transition de malade. J'ai pas de barbecue, c'est génial. Donc je ne peux pas me faire le steak. Eh ben, on peut pas les manger. Non, dommage. Ah, try again. C'est con qu'on puisse pas les ramasser. Je m'en souvenais plus d'ailleurs. Je m'en souvenais même plus qu'on pouvait faire ça. Tu fais tellement, on le fait tellement jamais. C'est vrai ce truc, on le fait jamais. Oui. Si. Quand elles sont teintées ou tout ça, ou empoisonnées. Oui. Ça pour le Devil Joe, c'est... Même t'y penses jamais, quoi. Tu penses contre un mob normal que tu fais, genre les inogres. Bah le Devil... Y'a pas un mec qui va se travailler, coucou. Viens, viens. Ninja. Oh, bonsoir. Attends. Oh, tu commences à manquer un peu de potion. Putain, non. La panote, il a rien pris, quoi. C'est faux, tu mens. C'est faux, regarde. On va ninjater le jeu. Ninja. Voilà, ninjater. Là j'ai 10 potions. Magie. Cheat. Non, il a juste les composants. Non, j'ai juste les composants pour. Et après sur ma manette, je fais synthétiser. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le... Ça là, cette grosse merde là qui tient toute ta main. Parce qu'en fait tu peux synthétiser en toute tranquillité. Alors on dirait une pub. Synthétiser en toute tranquillité. Synthétiser en toute tranquillité avec le nouveau gamepad sur Wii U. Révolutionnaire. Quoi? Mais non. Donc là, dans une minute, vous ne nous verrez plus. Ah, c'est con quand même. Si je le termine, si je le termine pas avant. Bon, d'ailleurs, je vais voir si ça enregistre encore. On sait jamais. Non, normalement, il bip. Ah, on a encore 2 minutes. 2 minutes, j'aurai peut-être le temps de le finir. Ouais, 2 minutes. Allez, crève. Putain, t'as plus de stamina, quoi. En plus, le stamina en archer, c'est la vie, quoi. Bah ouais, carrément. Il est fatigué, là, en plus. Oh! Oh, j'adore, Charal. Ouais, il prend des risques, mais bon, rien à foutre. Là, il a pris rush, par contre. Voilà, voilà comment jouer archer. Exactement comme ça. Voilà, comme ça. Oh, dommage, ah, t'es mort. Mourir. C'est con, hein. Oh, c'est con, la vie, hein. Et là, non, je ne me branle pas, j'essaye de survivre. Ah, je vais survivre. Oh, you mad. Et là, en fait... Oh, non,
Je vais glitcher le jeu. Regardez, regardez, regardez. Glitch, voilà. Ah, ça te donne de l'stamina. Ah bon? Non. Non, non, c'est moi qui suis con. Non, non, t'es con. Attends, on va essayer. Ah non, c'est moi qui suis con. Voilà, glitcher le jeu, comment faire des popos qui sont à la base réservés, enfin, plutôt réservés pour vos coéquipiers. Parce que en général, quand vous en prenez, c'est pas pour vous, c'est pour sauver un pote. Donc voilà. Heureuse tu les tramis obligants de crever. En général, quand on demande, ça marche. Donc, est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu pourrais mourir? Meurs. Non, ça marche pas cette fois. Bah non. Putain, il va se réénerver en plus, c'est la merde. C'est la merde. Vous allez me dire, ouais, charge plus tes coups et tout, mais avec Stark, ça ne sert à rien. C'est ça que vous comprenez, genre faire ça, tu vois. Mais en fait, avec cet arc, ça ne sert à rien. Putain, ouais. Il se charge un truc de fou. Là. Non, mais là, il fait la double, en fait. Au début, il y a un... Tu vois, c'est la préchauffe. Tu vois, il se met en mode diesel. Et après, il se met en mode Ferrari of the Dead of Doom. Et voilà, il est en ce mode Super Saiyan x4. Ouais. Ouais, large. Large. Large, large, large. Pour ceux qui connaissent. Et bah ouais, voilà, il suffit de demander. Sauf que j'ai comme je suis à l'arc, et ben voilà, ça met un peu plus de temps. Donc du coup, merci d'avoir regardé. On risque de plus avoir un enregistrement pour... Oui, c'est bon, ça passe. Ça passe, tu crois? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Bon, du coup, dites ce que vous en pensez sur les défis, sur tout ce qu'on vous a dit. Aussi, merci d'avoir regardé la vidéo. Ce que vous pensez aussi de sur StarCraft. Voilà, donc les défis, ne cherchez pas... Oh, Jasp. Oh non, mais t'es sérieux, mec. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, exactement, je prends le jeu de cette manière. Et... Non, c'est débile. C'est débile. Je prends la boîte du jeu. Regardez, regardez. Vous... Oh, tant pis. Voilà, tant pis. Donc, regardez la boîte. Je me la fourre dans le slip. Non, j'ai quand même... Bon, allez, bref. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, ça, c'est Tali. N'oubliez pas de liker, commenter, bon, tout bon, bordel. Hein, ouais. Allez, faites ce que vous voulez. Hey, vous masturbez sur nos gueules. Voilà, voilà, ouais, vous voulez, voilà. Voilà. Faut peut-être pas abuser partout plus. Sur l'écran, ouais, dans les yeux, ouais, et tout. C'est dégueulasse. Ouais, bon, allez. Allez, on vous dit salut, peace. Peace.